Shalom, peuple de Dieu, nous sommes là pour rendre gloire à celui qui a rendu capable. Oh, que cette journée se réalise sous sa bienveillance, sous sa juridiction. Nous bénissons le Seigneur des esprits des prophètes, lui qui a permis que vous et moi, que nous soyons connectés à ce moment pour être bénéficiaires de sa parole, de sa révélation. Car sa révélation nous éclaire et donne l'intelligence au simple. La Bible dit que c'est la parole de Dieu qui est une lampe à notre pied, une lumière sur notre sentier. Voilà pourquoi sans plus tarder, nous allons rendre grâce à Dieu, nous allons prier pour recommander ces incens entre saintes mains. Que tout auditeur qui sera connecté, qui regardera cette parole, que le Seigneur puisse les visiter, que le Seigneur puisse lui parler, que le Seigneur puisse l'édifier, que le Seigneur puisse redresser ce qui est courbé dans sa vie, que le Seigneur puisse relever ce qui est tombé dans sa vie, que le Seigneur puisse rendre droit ce qui est tordu dans sa vie. Oh Père éternel, nous te bénissons, toi qui as rendu possible, Seigneur, oh Dieu, ces moments, Père. Nous te recommandons ces instants. Saint-Esprit, guide ma bouche, guide mes pensées. Je veux être gouverné par toi. Que tout ce que je dirai puisse rendre gloire à Jésus-Christ, la parole révélée. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, sans plus tarder, je ouvre ma Bible dans Matthieu chapitre 13. Je lirai à partir du verset 34. La Bible dit ceci. Jésus dit tout cela aux foules en parabole. Et il ne les parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes. J'ouvrirai la bouche en parabole et je proclamerai les choses cachées depuis la création du monde. Oui, bien aimé, nous parlons d'une chose très importante ici. Nous parlons du secret. Aujourd'hui, le thème de notre prédication, c'est les choses cachées ou les secrets, les choses qui sont secrètes. Ici, nous voyons Matthieu est en train de nous présenter le Christ en disant, dans Matthieu chapitre 13, le Christ commençait à prêcher une foule, parce qu'il était un homme de foule. Et quand la foule a couru, Jésus parlait de la parabole du semeur. Il a parlé de sept paraboles concernant les royaumes des cieux. Dans Matthieu chapitre 13, nous avons affaire à sept paraboles. Il a parlé du parabole du semeur, qui est sorti semer. Il a parlé du parabole du livret. Il a parlé du parabole, alléluia, des trésors cachés. Il a parlé des paraboles des grains de moutarde. Il a parlé du parabole, alléluia. Oh bien-aimé, comme nous voyons, il a parlé du parabole de la femme qui a ajouté du levain. Il a parlé du parabole de perles. Il a parlé du parabole du filet. Mais notre problème, ce n'est pas de nous intéresser aux paraboles, mais c'est pour parler que quand Jésus a usé des paraboles, parce qu'il avait un message caché, il y avait des secrets qui se trouvaient dans ces paraboles. Dans ces paraboles, il y avait un secret. Chaque parabole détenait un secret, détenait un mystère, que le Christ lui-même qui avait la clé. C'est pour ça, lorsqu'il avait parlé, personne ne comprenait. Il a dit à ses disciples que ces choses sont pour vous, et passent en parabole. Mais vous qui êtes dans les secrets, vous qui faisiez partie de mon cercle intime, le mystère, il vous a été donné de connaître l'interprétation ou les secrets de ces choses, le mystère de Dieu. Voilà pourquoi Jésus aujourd'hui nous emmène pour que nous puissions comprendre les secrets. Nous parlons des secrets. Parce que la Bible dit, Jésus parle des choses cachées, les choses que nous n'avons pas accès à ça. Quelque chose qui est caché, c'est-à-dire que quelque chose qui est à l'abri des regards, quelque chose qu'on ne peut pas voir, quelque chose qu'on ne peut pas savoir où il est, parce qu'il est caché. On ne sait pas. Celui qui l'a caché connaît là où ça se trouve. Ce n'est pas à tout le monde de connaître, alléluia, ces choses là où ça se trouve, parce qu'ils sont cachés. Ces choses-là ne sont pas pour tout le monde. Et nous avons vu dans l'histoire, et parfois on nous a parlé des histoires, même dans les cinémas, on voit par exemple un trésor. Pour chercher un trésor, il y avait une carte pour accéder à l'emplacement de ces trésors. Ici aussi, Jésus-Christ a la carte, celui la carte, celui la clé, celui qui est révélateur des choses cachées, celui qui est révélateur des secrets. C'est pour cela qu'il nous parle à ce moment qu'il annonce les choses en parabole. Parce que ces choses-là ne sont pas données à tout le monde de comprendre. Ces choses-là sont réservées pour le Fils du Royaume. Ces choses-là sont réservées pour toi et moi. Comme la Bible dit, ce sont les choses que l'œil n'a point vu. Ce sont les choses que l'oreille n'a point entendu. Ce sont les choses qui ne sont pas montées dans le cœur de l'homme, mais ce sont les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Sache-le que tu es un bien-aimé de Dieu. Tu es un dit Dieu. Dieu t'aime. Tu as du prix à saisir. C'est pour cela qu'il ne veut pas te laisser comme ça. Lui-même a dit dans sa sainteté, mon peuple sera plus dans la confusion. C'est pour cela qu'il est venu à la personne. Lui, le Dieu caché, il est venu se révéler à la personne du Christ pour que toi et moi, nous puissions accéder au secret.
Il y a tellement de secrets. Et dans Matthieu chapitre 13, Jésus parle de cette parabole. Il ne parle qu'en parabole. Il utilise un langage imagé. Les paraboles, c'est un langage imagé, un langage codé. Il utilise ça pour parler en parabole. Comme j'insiste et je dis souvent, pour parler une langue, chaque langue a son code. Si tu ne sais pas décoder un code, une langue, tu ne sauras pas les parler. Si on me parlait en néerlandais, comme je ne connais pas les codes pour parler le néerlandais, je ne saurais pas. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas intelligent. Cela veut seulement dire que je ne connais pas les codes pour parler le néerlandais. Il en est de même du chinois. Il en est même de plusieurs langues. Et c'est la même chose avec la parole de Dieu. Toute la révélation de Dieu est codée. Et celui qui a les clés, la clé du décodage, ce n'est que le Christ Jésus. Parce que la parole de Genèse à l'Apocalypse ne parle que de lui. Parce que la Bible dit que les témoignages de Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Alléluia. Parce que nous devons nous baser sur lui. Cette parole, elle est christocentrique. Cette parole est centrée sur Jésus. Cette parole est centrée sur le Christ. Si le Christ n'est pas le modèle, si le Christ n'est pas au centre de tout ce que nous faisons, alors nous sommes perdus. Alors nous allons parler des hérésies. Alors nous passons à côté. C'est pour ça que le Seigneur parle des choses cachées. Nous savons dans Jérémie 33, 3, qu'est-ce que Jérémie a dit? Il dit que la meilleure façon d'accéder à la révélation, il parle de la prière. La Bible dit invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, les mystères, les choses que tu n'avais pas accès à cela. Ici, nous voyons dans Jérémie chapitre 33, verset 3, Dieu est en train de montrer une voie par excellence, l'une des voies pour accéder au mystère, pour accéder au secret. Peut-être il y a des choses qui sont cachées dans notre vie, nous ne savons pas. Il y a des choses qui sont cachées par rapport à la création. Comme le Christ a annoncé ici, j'annoncerai les choses qui sont cachées depuis avant la création du monde. Cela veut dire qu'il y a des choses qui ne sont pas accessibles à nous. Il y a des choses que nous n'avons pas accès. Il y a des choses que nous n'avons pas connaissance de cela parce qu'elles sont cachées à l'abri des regards. Parce que ces choses ne sont pas accessibles à tous. Dieu les a cachées. Et la Bible dit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire du roi, c'est de sonder les choses. Alléluia. Dieu a caché ces choses-là parce qu'il veut les manifester à son temps, à ses bien-aimés, à ses élus. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur ces versets. Jésus, dans 35, Jésus parle en parabole. Donc dans les paraboles, il y avait un secret. Dans les paraboles, il y avait une révélation qui était cachée. Dans ces paraboles, il y avait des choses que Dieu voulait nous parler, mais que ces choses-là n'étaient pas accessibles à tout le monde. Ces choses-là étaient pour les bien-aimés de Dieu. Ces choses-là, cette nourriture-là était pour le Fils du Royaume. C'est pour ça que le Seigneur a dit, je veux parler d'une manière codée. Je vais coder, alléluia, mon langage. Je vais coder ce langage pour que ceux qui vont déchiffrer ça, c'est ceux qui sont en intimité avec moi. Et il a dit ça dans Jean chapitre 15, il a dit, vous ne êtes plus mes serviteurs, mais vous êtes mes amis, parce que vous savez tout ce que je fais. Oui, le Seigneur nous appelle ses amis, nous sommes ses amis, nous faisons partie de son cercle intime. Et ici, il y a des secrets par rapport à la création. Jésus dit, j'annoncerai les choses cachées, depuis la création, les choses qui sont cachées. Les choses que nous n'avons pas accès à cela. Les choses qui sont codées. Parce que sans les décodages, nous ne comprenons pas. Si nous ne comprenons pas, si nous ne savons pas décoder un langage, décoder un code, décoder un message, nous ne saurons pas. Aujourd'hui, l'Église souffre. Aujourd'hui, les chrétiens souffrent. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce qu'ils ne connaissent pas leur vie. Ils ne connaissent pas les codes concernant leur vie. Aujourd'hui, même dans le monde est codé. Même nous qui sommes ici, nous sommes dans une société presque organisée, une société informatique, une société où la virtualité a pris sa place, où l'intelligence artificielle s'installe à petit feu, jusqu'à ce qu'a devenu le dieu de ce siècle. Et dans cette société, nous savons où nous sommes dans une forteresse digitale. Partout où nous allons, nous avons besoin, on nous a encodé dans les pistes, tout ça, dans les cartes. Quand tu montes dans les métros, on sait t'identifier là où tu es, à partir de ton téléphone, par le système de localisation, on sait savoir là où tu es. Oui, c'est une bonne chose, oui, tant mieux, mais c'est aussi pas bien parce qu'il n'y a pas la protection des vies privées, parce que nous n'avons plus de secrets, parce que notre vie est confiée à des logiciels. Notre vie est gérée par des logiciels. Les logiciels sont devenus nos pasteurs. Les logiciels sont devenus nos conducteurs. Donc partout où nous allons, nous sommes gérés par les logiciels. Tu vois, dans un métro, tu rentres, tout s'est fait par le téléphone, tout s'est fait par l'ordinateur.
tout. Donc, le jour où ce système sera caduque ou tombera en panne, il y aura des crashs d'avions, il y aura des accidents, il y aura des collisions de trains. Et le monde sera vraiment dans l'apocalypse, dans la catastrophe, le plus maître qu'il soit n'est jamais connu. Donc, nous avons vu que même l'homme de son côté a codé quelque chose. L'homme a codé certaines choses au travers les systèmes, la technologie qu'on appelle la nanotechnologie, c'est de la petite technologie, avec les intelligences artificielles, pour comprendre que nous sommes dans un temps où la Bible est toujours en avance. La Bible a annoncé. Il y a des choses qui sont cachées aujourd'hui, cachées à l'abri de tout le monde, parce que tout le monde vit dans les secrets. Même dans le monde où nous vivons, dans les pays où nous vivons, on appelle des services secrets, c'est-à-dire des services qui sont censés garder certaines informations au peuple pour les protéger, pour les gouverner, pour les garder en sécurité, pour que les peuples, s'ils ont accès à ces informations, ils peuvent paniquer, ils peuvent faire n'importe quoi. Et ici, nous sommes dans les secrets. Mais de quels secrets il s'agit? Parce que Jésus ici, dans Matthieu chapitre 13, verset 35, Jésus parle de ce qui se trouve dans les paraboles. Oui, la première parabole où Jésus parle du semeur qui est sorti semer, Jésus est en train d'expliquer son ministère, parce que c'est lui le semeur. Il est sorti, il est en train de parler de son parcours, de son ministère public, comment il a rencontré l'opposition, comment il a rencontré les différences, comment il a rencontré les gens qui ont cherché même à les tuer, à les précipiter hors de la montagne pour les tuer, mais ce n'était pas son heure, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas les détruire. Mais malgré ça, qu'est-ce que le Christ a dit? Les semeurs a continué à s'aimer. Il a rencontré plusieurs endroits, plusieurs terrains hostiles. La première semence était tombée dans la rue. Les oiseaux sont passés. Les passants ont écrasé ces semences-là. Les autres semences sont tombées sur la pierre et les autres sur les épines. Mais jusqu'à ce que le semeur a fait qu'il a persévéré. Il n'a pas abandonné. Il a compris la parole dans Hébreux chapitre 10, verset 35. Il avait dit, n'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rétribution. Il avait une assurance dans le Père qu'il avait établi, dans le Père qu'il avait envoyé, dans le Père qu'il avait consacré comme étant le Christ, le Messie, pour amener les foules à la louange, pour, alléluia, être le rédempteur des hommes, pour payer le prix pour nous, c'est le bois de l'échafaud de la croix. C'est pour cela que le Christ a tenu bon, malgré l'opposition, malgré tout ce qu'il endurait. Lui-même, il a dit, je n'ai pas laissé mon dos à ceux qui m'ont frappé. Je n'ai pas détourné mon visage à ceux qui m'ont arraché la barbe. Mon visage était timéfié par le sang. J'ai été frappé, flagellé. Mais le Seigneur est resté sourd. Il n'a pas répondu aux critiques. Il n'a pas répondu à ses détraqueurs. Il est allé jusqu'au bout de sa mission, parce qu'il savait que quelque part, il y a sa semence, sa parole, son message tombera sur la bonne terre. Donc Jésus ici, il parle en parabole, il raconte quelque chose, un mystère par rapport à lui-même, quelque chose qui était caché, qui n'était pas accessible à tout le monde. Il parle de ça. Mais nous ne sommes là pas pour parler de Matthieu, pour parler de, alléluia, de paraboles. Ça, ce n'est qu'un exemple. Mais plutôt pour parler des secrets, des choses cachées. Quelles sont les choses qui sont cachées, bien-aimés? Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas quoi faire. Leur vie, ils ne savent pas quoi avancer. Ils tournent à rond. Ils ne savent pas quoi faire. Ils se posent la question, qu'est-ce que je fais pour mériter une vie telle, pareille? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Qu'est-ce qui cloche dans ma vie, si je peux dire cette expression? Ils se posent des questions. Et laissez-moi vous dire, les questions que tu te poses par rapport à ta vie, par rapport à ta destinée, par rapport à ta famille, par rapport à ta femme, par rapport à ton mari ou ton mariage, ou tes enfants, ou ton travail, ou ta situation, je ne sais pas, des papiers ou quoi, ou des maladies, ou ta situation de conception, ou ta situation de fécondité, ou ta situation qui ne fait que mettre au monde les enfants, dont tu perds les enfants. Cette question-là a toujours une solution. Cette question-là a une réponse. Et celui qui a la réponse, c'est le Christ Jésus. Parce que lui connaît tout ce qui est caché. Lui, il a dit, va nous révéler les choses cachées que nous ne connaissions pas. Et la voix qu'il nous a donnée, c'était la voix de l'invocation de son nom. La Bible dit, invoquer quelqu'un par son nom, cela veut dire, invoquer, c'est l'appeler par son nom. Quand on invoque quelqu'un, on appelle par son nom. Quand nous appelons Dieu, nous invoquons, nous prions, cela veut dire, nous appelons un être spirituel qui est dans le monde surnaturel. C'est dans le monde qui n'est pas accessible à nous. Et un monde que nous ne voyons pas, que nous ne comprenons pas, peut-être nous ne saisissons pas. Nous appelons un être invisible, un être spirituel, un être immatériel de se matérialiser dans notre vie. Parce que la prière, c'est matérialiser, alléluia, le spirituel. C'est rendre naturel ce qui est spirituel. C'est de donner corps, alléluia, à l'esprit. Et quand nous prions, nous donnons corps à l'esprit. Nous appelons l'esprit de se matérialiser à nous. Et c'est l'une des voies que Dieu a donné dans Jérémie chapitre 33, verset 13, il a dit,
invoque-moi, je te répondrai. 33 verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Tu as des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas, pardon. Et nous parlons des secrets par rapport à la création. Quels sont les secrets? Comme je dis, tu te poses des questions. Parce que ta vie ne marche pas. Il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des secrets. Peut-être qu'il y a une histoire que tu ne connais pas par rapport à ta destinée. Il y a des secrets à la création, depuis la création. Il y a des secrets par rapport aux villes. Il y a des secrets par rapport aux nations. Il y a des secrets par rapport aux familles. Il y a des secrets par rapport aux sociétés. Le monde est fait de secrets. Nous sommes dans un monde de secrets. Depuis l'aube du temps, il n'y a que des secrets. Et Dieu, par Christ Jésus, il est venu, alléluia, révéler ce qui est caché. La Bible dit que tout ce qui est caché, c'est-à-dire tout ce qui est ténèbres, tout ce qui nous n'avons pas accès, tout ce qui est, alléluia, secret, sera révélé. Parce que Jésus est la lumière. Jésus est venu nous révéler ces choses. Et la première chose que nous avons lue dans Matthieu chapitre 13, il parle en parabole pour signifier, pour annoncer lui-même. Lui, le semeur, il est venu semer la parole, il est venu semer ses enseignements. Il a rencontré l'endurcissement jusqu'à ce qu'il est tombé sur la bonne terre, jusqu'à ce qu'il y ait des personnes qui ont reçu cette parole et qui ont produit les fruits. Et aujourd'hui, je vais prendre un passage pour parler de l'un des secrets. Les secrets les plus importants, les secrets qui nous concernent. Parce qu'il y a tellement de choses cachées. Les choses cachées depuis la création du monde. Et Dieu les a cachées dans sa parole. Dieu les a cachées dans son message. Au travers des messages, Dieu a caché des choses. Dieu a codé des choses. Dieu a écrit un langage que le Saint-Esprit même qui peut nous aider à décoder. Ce n'est pas donné à tout le monde de comprendre le langage de Dieu, de comprendre la façon dont Dieu parle, de comprendre les messages de Dieu. Les secrets. Et le premier secret que nous allons parler, c'est le secret de la rédemption. Le secret de la rédemption. Parce que la création, je ne vais pas toucher à la création. Parce que je ne connais pas grand-chose par rapport à la création. Il y a des choses que je peux dire par rapport à la création. Il n'y a que ce que je n'ai qu'une partie infime de connaissances ou d'informations concernant la création. Aujourd'hui, nous parlons des secrets de la rédemption. Nous allons trouver ça dans les livres de Job, chapitre 38. Où Dieu est en train de révéler un secret. Un secret que nous ne savions pas. Job, chapitre 38. Nous connaissons le Job. Nous connaissons ce que cet homme a enduré. Cet homme était le pari entre les puissances. Cet homme était le centre d'intérêt des confrontations des puissances. Cet homme qui ne savait pas que quelque part, parce que tout ce qui s'est passé dans la vie de Job, c'était un secret. Job n'avait pas accès à ça. Job ne savait pas ce qui lui est arrivé. Il ne savait pas pourquoi il était, s'il s'est retrouvé dans cette situation de pauvreté, cette situation de dénouement, cette situation de misère. À notre époque, on va chercher peut-être, on va faire un étalage de démons, un étalage de liens. Job ne savait pas. Et Job a tellement souffert qu'il était innocent dans sa souffrance. Parce qu'il y avait une mentalité de rétribution. C'est-à-dire que quand on fait quelque chose de mal ou quand on souffre parce qu'on a fait quelque chose de mal, cela veut dire qu'on sème, on récolte. Et ses amis ignorant aussi de la situation de Job, ignorant aussi de ce qui arrivait à Job, ignorant que Job était le pari entre Dieu, le pari de puissance, le pari des instances surnaturelles, des instances spirituelles, le pari entre Dieu et les malins. Parce que Dieu a frappé la porte, Dieu a défendu Job, qu'il a dit qu'il ne perdra pas sa foi, que Job demeurera toujours attaché à Dieu, quoi qu'il arrive, quoi que soient ses épreuves. Dieu a témoigné Job, il a dit Job c'est l'or, il est éprouvé par le feu, Job restera Job. Et Job ne savait pas. Et dans un moment donné, quand il est arrivé à sa limite, quand Dieu a vu que non, qu'on avait dit que le sceptre de la méchanceté ne restera pas toujours sur l'eau des justes, des pères que les justes se tournent vers l'iniquité. Alors là, Dieu vient parler à Job. Il vient lui parler dans la tempête. Au milieu de la tempête, là où Job avait... Dieu est apparu au milieu de la tempête, mais Dieu aussi est apparu dans la tempête de Job. Parce que Job, sa vie était dans la tempête. Il était secoué par la maladie,
par un excès malin. Il était secoué par la disparition de ses enfants. Il était secoué par sa femme qui tout le temps lui disait « Maudit Dieu, mère !» Sa femme qui l'est harcelée, qui lui disait ça, « À quoi sert de servir Dieu ? À quoi sert de prier Dieu ? Regarde ton état piteux. Regarde comment tu es misérable. Regarde comment tu es devenu. Oh Job, ça ne sert à rien. Maudit Dieu et mère !» Mais Job, à un moment donné, va faire sa plaidoirie devant Dieu. Il va plaider sa cause. Il dit, Seigneur, mais qu'est-ce que Dieu fait? J'ai toujours été un homme intègre, un homme qui marchait sur tes principes, un homme qui n'a jamais regardé même une vierge, un homme qui ne s'est pas détourné, alléluia, de tes voix. Mais pourquoi je vis toutes ces choses? Il y avait des secrets que Job ne savait pas. C'est pour ça que Dieu va lui parler. Il a dit, Job, tu veux obscurcir mes desseins, tu veux empiéter sur ma volonté. Mais je vais te parler, je vais te poser des questions. Et il y a un secret ici que je vais lire, un secret, alléluia, que Dieu est en train de révéler dans le livre de Job, chapitre 38. Il y a tellement beaucoup de choses que Dieu est en train de... Il parle même de la création ici, mais moi je parle de la rédemption, alléluia, alléluia, gloire au Seigneur, gloire à Jésus, Jésus est Seigneur. La Bible dit dans le livre de Job, alléluia, verset Job 38, verset 30, la Bible dit ceci. Fais-tu paraître à l'air temps le signe des zodiaques et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Dieu pose une question à Job. Dieu dit à Job, maintenant, moi, je vais te poser des questions. Parce que toi, tu as l'air de connaître ces choses. Toi, tu réponds, tu plaides ta cause. Parce que tu crois avoir accès à certaines informations concernant ta situation. Moi, je te pose la question. Parce que toi, tu sais que tu dépends de moi. Toi, tu m'appartiens. Et tout ce qui t'arrive, rien ne peut t'arriver sans que moi, je sois l'auteur ou je sois au courant. Je suis au courant de tout. Je suis le grand je suis. Je suis celui qui existe par lui-même. Je suis celui qui vit en dehors du temps. Le temps, c'est moi qui l'a créé. Le temps, c'est moi qui le gère. Le temps, c'est moi qui a les contrôles. C'est moi qui a la maîtrise totale sur tous les êtres, tous les éléments. Il parle à Job. Il interroge Job. Il dit à Job, qu'est-ce que tu fais paraître à son temps? C'est-à-dire à sa saison. Dieu connaît la saison des signes des zodiaques. Ici, j'aimerais que vous fassiez attention. Je ne parle pas de l'astrologie. Je parle de l'astronomie. Je ne parle pas de tout ce qui est des horoscopes là. Je parle de l'astronomie. Dieu parle des signes des zodiaques. Dieu parle des signes des zodiaques. Il dit, connais-tu, sais-tu que, est-ce que tu peux le faire paraître? Tu fais le faire paraître à son temps. Cela veut dire, Dieu voulait donner un élément à Job. Quelque chose que Job et ses contemporains. Parce qu'à l'époque de Job, il n'y avait pas de parchemin. On n'écrivait pas. Il n'y avait pas encore la Bible aujourd'hui, les livres que nous lisons. Et les gens regardaient les choses, les présages au travers les cieux. Ils observaient les ciels, ils disaient, il va pleuvoir, comme Jésus dira un jour. Ils observaient les ciels, ils disaient ceci. Ils regardaient les étoiles et ils disaient les choses par rapport aux étoiles, par rapport à ce qu'ils voyaient. Et Dieu parle à Job, parce que nous allons continuer ces messages. Mais je vais m'arrêter, je vais parler quelque chose. Dieu dit à Job, est-ce que tu fais paraître les signes des zodiaques à son temps? Ceux qui connaissent que dans les signes des zodiaques, je ne parlais pas par rapport à ce qu'ils disent dans le monde, par rapport aux horoscopes. Parce que ces signes commencent toujours par la Vierge et se terminent par les lions. Et nous avons vu, la prophétie va commencer par la Vierge concevra et enfantera un fils. On appellera Emmanuel. Cet Emmanuel, lorsqu'il sera sur la terre, c'était Jésus lui-même qui était venu pour annoncer la bonne nouvelle. Dieu parmi son peuple. Et c'est la confirmation du parole du serviteur de Dieu, Alain Moloto, qui a dit, il était une fois, Dieu visita la terre. Dieu a resté les vestiges au travers l'œuvre de Christ. Il a visité la terre au travers de Christ. Dieu voulait dire à Job que toi, tu n'es qu'un signe. Toi, tu n'es qu'une instruction. Toi, tu es qu'un enseignement pour ceux qui sont à venir. À son temps, à mon temps, à la saison qu'il faut, je vais paraître les signes dans les ciels. Ces signes-là, ce sera les signes de la rédemption. Le signe des zodiaques. Parce que les signes des zodiaques, on voit dans les zodiaques, il y a 12 portes qui commencent par la porte de la Vierge jusqu'à la porte des lions. Et nous savons que notre prophétie commence par la naissance, par la conception, que par la visitation de l'ange Gabriel qui va parler à Marie. Et ça va s'éterner par le retour de Jésus comme étant le lion de la tribu de Juda.
Je voulais m'arrêter ici. Je vais continuer ça prochainement. Pour dire que la Bible, Dieu a tout dit dans la Bible. Il y a des choses qui sont cachées par rapport à la création, par rapport à la rédemption. Ici, Dieu donne à Job quelques années avant même qu'il ait la prophétie, même que le prophète Esaïe puisse paraître pour annoncer, pour parler du serviteur souffrant qu'est le Christ, pour parler que la Vierge enfantée aura un fils. Job, Dieu l'a déjà mis au courant, dit, je ferai paraître les signes des anges à son temps. Voilà pourquoi j'aimerais vous dire, le but de ce partage, c'était pour que vous sachiez qu'il n'y a que Dieu qui détient tous les secrets. Les marabouts ne connaissent rien. Les voyants non plus. Ils n'ont qu'une connaissance infime, parfois tortueuse des choses. Mais c'est Dieu qui a la connaissance parfaite des choses. Parce que c'est celui qui a créé toutes choses. Et c'est pour cela qu'il a dit, tous ceux qui s'approchent de lui, tous ceux qui sont intimes avec lui, tout cela ne sera pas des paraboles. Tout cela ne sera pas codé. Il va donner les codes pour déchiffrer ça. La Bible dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au commencement, les Saint-Esprit parlent à tout le monde dans le livre d'Apocalypse. Mais à la fin, Dieu s'intéresse, parle à l'individu, parle à chacun individuellement. Que celui qui a des oreilles, qu'ils écoutent ce que l'Esprit dit aux églises. C'était le prophète Issa, du ministère de 4 témoins. Que Dieu vous bénisse richement. Merci et à la prochaine pour la seconde séance.